Effectivement, nous nous sommes rendus dans le grand entrepôt qui sert pour les formations logistiques à l'AFPA du Pontet, à la rencontre des techniciens supérieurs en méthode et exploitation logistique. Et Mehdi Richa et leur formateur, en quoi consiste votre formation? Alors la formation consiste à savoir piloter un site logistique ou un service logistique et aussi élaborer des solutions à une problématique de l'entreprise. C'est le vrai pilote dans une entreprise qui a comme travail la logistique. Bien sûr, il a toute l'organisation, la planification et aussi anticiper le travail de l'entrepôt logistique. Pour intégrer cette formation, les stagiaires qu'on voit autour de nous, qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme, comme qualité principale pour avoir pu entrer dans cette formation? Il n'y a pas forcément de diplôme à avoir pour entrer en formation, mais il faut savoir être organisé. Rigoureux. Et travailler sur des logiciels importants comme Excel, par exemple. Oui, la maîtrise de l'outil informatique, Excel. On aura aussi l'outil d'un WMS, donc un logiciel de gestion de stock, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions dans cet entrepôt. Alors là, on voit des stagiaires qui travaillent autour de nous. J'en vois un derrière. C'est Willy, qui est en reconversion, lui, grâce à son compte personnel de formation. Exactement. Il a fait un CPF. Et de gestionnaire, il veut évoluer sur un poste d'encadrement logistique. C'est pour ça qu'il est là en formation TESMEL. Également reconversion d'un ancien légionnaire qui est avec lui actuellement. On a beaucoup de reconversions militaires puisque l'armée est organisée, planifie et aussi anticipe aussi toutes ses actions. Donc le TESMEL est parfait. Voilà, donc oui, ça fait partie un peu des qualités qu'ont les militaires de bien s'organiser. Pour rejoindre cette formation ou les autres formations à la logistique, on peut se renseigner auprès de l'AFPA à recrutement.avignon@afpa.fr. Excellente journée à tous.